Le choix du matériau pour un réseau d'assainissement va dépendre du contexte technique et environnemental du lieu de mise en œuvre. Notre métier chez Daika est de vous accompagner dans ce choix. Le polypropylène, ou PPSN10, est une solution parfaitement adaptée à des contraintes causées par la configuration du terrain naturel, telles que de fortes pentes ou une hauteur de recouvrement variable des canalisations. Sur ce genre d'environnement, il s'oppose avec des tubes manchonnés ou soudés. Le PPSN16, éventuellement équipé de joints NBR, est parfaitement adapté à l'assainissement des effluents industriels grâce à son inertie chimique. Les performances mécaniques statiques et dynamiques exceptionnelles des collecteurs en PVC CR16 combinés à nos raccords sécurisent la mise en œuvre des réseaux en cas de forte ou de faible hauteur de recouvrement sous trafic intense. Pour les réseaux les plus standards, entre 1,5 m et 3 m de profondeur, les tubes et raccords en PVC CR8 sont la solution. Enfin, dans les situations où le refoulement est nécessaire, le tube PE bande marron permet de réaliser des sections de réseau d'assainissement sous pression. Dans la famille des thermoplastiques, le PP, le PE et le PVC ont en commun une série de facteurs les rendant parfaits pour l'assainissement. Une inertie chimique aux propriétés du sol et des effluents, une résistance à la corrosion du H2S, une relative légèreté permettant de faire des économies et de faciliter la mise en œuvre et ainsi limiter l'impact sur l'environnement. Daika, l'assainissement tout-terrain.